Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end qui sera sûrement pas le week-end, j'en sais rien en fait. Ça devient tellement. J'ai tellement d'épisodes d'avance en fait, vu que c'est nouveau et tout ça. C'est vrai que pendant un moment. J'en ai déjà parlé de ça, de The Long Dark, comment je le prends moi. Des fois j'ai envie de jouer pendant genre 3-4 heures d'affilée, donc ça fait plusieurs épisodes. Et des fois j'ai plus envie de le toucher pendant genre 2-3 semaines. Genre des fois j'ai fait plein d'épisodes d'avance et pendant un mois j'y ai pas joué. C'est un peu comme ça. Et ça commençait en fait à être comme ça, où j'avais plus vraiment envie de le toucher, parce qu'il y avait plus rien à faire avant le DLC. Mais là, le DLC, la mise à jour, pardon. Mais là, avec la nouvelle map et tout ça, c'est vraiment fun. Donc c'est vrai que je crois que j'ai déjà... j'ai déjà... C'est sorti depuis 3 jours, je crois. 4 jours. J'ai déjà au moins 7 épisodes encore à mettre sur la chaîne. Donc ouais, j'aime beaucoup la map. J'aime beaucoup la map. Je voudrais bien qu'il fasse assez jour pour qu'on puisse lire ça. Attendez. On va regarder la map parce qu'il reste pas longtemps. Alors notre plan pour aujourd'hui va être de regarder, de trouver ça. Donc on sait plus ou moins comment y accéder, il faut prendre ce pont là. Normalement après il faut continuer, après il y a un deuxième pont. Donc ça devrait pas être très très compliqué. On devrait pouvoir le faire facilement. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et après on va encore une fois continuer à essayer de bien sûr trouver le trouver la petite mine quoi. On sait pas trop où elle est. On sait pas vraiment où elle se trouve. C'est vrai que là par exemple il y a une grosse... Il y a une grosse zone d'ombre, donc... La cabane du pêcheur, ici. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire d'abord la photo, coûte que coûte, ça sera vraiment notre but principal. Et après, on va voir s'il nous reste du temps. Je pense qu'on va redescendre vers la cabane, et on va essayer de voir cet endroit-là. D'essayer d'illuminer un peu la carte. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Comme... Oh, la vache. Ça a l'air pas mal comme, comme but, comme mission, on va dire. Je voulais parler d'une chose aussi. Il n'y a toujours pas de fixe. Hein. Donc à chaque fois que je lance le jeu, il faut refaire les touches. J'ai vu plein de commentaires aussi en parlant du cadavre qu'on peut pas toucher, les artefacts dans le ciel, on sait pas trop ce que c'est, les chargements qui ont des problèmes, après bon bien sûr il y a les badges et tout ça, donc encore une fois il y a les problèmes dont, que j'avais cités. Il n'y a toujours pas de mise à jour, quoi. Et il y a un jeu auquel je joue pas mal et j'en avais parlé, là, qui a sorti un DLC récemment. C'est Oxygen Not Included. Ils ont sorti un DLC. 2 jours après, il y avait déjà une page de fixe avec une mise à jour et tout ça. Où ils corrigeaient pas mal de problèmes, quoi. Donc, voilà. Après, si vous suivez la série la survie du week-end, vous savez très bien que Hinterland est extrêmement lent pour corriger les bugs. Hein. Vous vous rappelez combien de temps ça a duré, genre les lags pendant les sauvegardes? Ça a duré un mois hein, pour moi en fait. Hein. Ça a duré même plus d'un mois je crois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc ouais, faut prendre son mal en patience avec Hinterland. J'avoue que ça c'est un très très mauvais point de... Un très 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 mauvais point. Encore une fois, je crache pas sur leur boulot, tout ça, je crache pas du tout dessus. Mais c'est vrai que la suivi est mauvaise, la suivi est très très mauvaise. Parce que Oxygen Not Included, c'est pareil, hein, c'est un petit studio et tout ça, mais eux ils sont vraiment super... sont super à cheval sur tous les fixes et tout. Donc... Ah, je crois que j'ai les fûts de flèche, je crois que je les ai toujours sur moi, non? Ouais.
Donc ouais, c'est quand même un gros exemple en fait d'une différence de deux petits studios qui font des très 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 bons jeux. Mais il y en a un quand même qui suit beaucoup plus son jeu que l'autre. Il y en a un qui suit beaucoup plus son jeu que l'autre. Des fois j'ai même envie de dire, ils auraient peut-être même pas dû, parce que genre si on prend Oxygen Not Included, il n'y a pas de mode histoire. C'est que du bac à sable. J'aime pas ce terme de bac à sable. On va poser le livre parce que de toute façon on va pas vraiment en avoir besoin. Mais il n'y a que ça, il n'y a pas de mode histoire. Alors que Interland a voulu aller un peu plus loin et il faudra vraiment qu'on coupe par contre, qu'on commence à coudre les choses. Voulait aller un peu plus loin. On n'a pas de charbon. Et a sorti quand même des épisodes avec des histoires et tout ça qui sont bien. Moi j'en ai fait deux d'épisodes, je crois. Deux ou un, non, un peu plus. Ce qui est bien, mais est-ce que honnêtement ça vaut le coup? Parce que le premier épisode est sorti il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Il est censé avoir 5 épisodes en tout. Donc on sait très bien que... c'est pas pour demain, quoi, le reste. On sait très très bien que c'est pas pour demain. Donc est-ce qu'au final, ça vaut vraiment le coup de faire un mode histoire pour The Long Dark? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, je pense qu'ils devraient... Alors maintenant, ils peuvent plus, parce qu'ils se sont lancés dans le chemin. Ils peuvent pas abandonner en pleine course. Bon, alors, attendez. Il va falloir prendre ce pont-là. Donc, on va en face. C'est à gauche. À gauche, tenez. Genre, quand on est là, c'est là-bas. Donc, c'est fini. Ils peuvent pas abandonner maintenant, vu qu'ils ont commencé ça. Mais honnêtement, ça valait vraiment pas le coup. Vu comment ça se déroule, la création des épisodes, la rapidité de sortie des épisodes, et en plus de ça, il y a les mises à jour sur la partie survie du jeu, ce qu'on joue, donc nouveaux objets, nouvelles maps, nouvelles mécaniques et tout ça, ça fait trop de boulot, ça fait complètement trop de boulot, et ils auraient dû complètement ne jamais sortir en fait un mode histoire. En tout cas, moi c'est ce que je pense maintenant. Et on pourra pas me faire changer d'avis. Pour le moment, moi je... Enfin maintenant, après avoir vu un peu comment ça se passait, je dis à 100% qu'ils auraient jamais dû à tenter de faire un mode histoire pour ce... Vous avez vu qu'on était en train d'avancer sur la corde, on a commencé à monter en hauteur. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mon personnage se bloque. Regardez! Oh mon dieu, c'est horrible. Ouh, ça va. Donc ouais, moi je dis qu'ils auraient jamais dû faire ça. Ils auraient dû juste travailler sur... Ah oui, c'est vrai qu'on avait des bois aussi. Ici. Ils auraient dû juste travailler sur... le mode survie. Et rien d'autre. Faire plus de maps, agrandir le jeu, faire plus d'objets, faire plus de craft, plus de mécaniques. Et même à la limite, parce que enlever le mode histoire, ça donne, du coup, ça permet de pas gaspiller de la... Enfin, pas de gaspiller, mais de mettre de l'argent en fait dedans, parce qu'il faut aussi payer les acteurs et tout ça. Hein. Donc à la limite, j'aurais même pu peut-être travailler sur un mode coopération. Ils en ont parlé, ils ont dit qu'ils le feront jamais hein, sur The Long Dark. Ça serait trop... ça prendrait trop de ressources et tout ça. Ils le feront sûrement sur leur prochain jeu, ils ont dit. Attendez, on est sur le bon chemin. Je suis en train de... Honnêtement, je sais même plus. Il y a un pont là ou pas? Mais ouais. Ils auraient pu vraiment faire un mode survie encore nettement mieux, quoi. Est-ce qu'on est complètement paumé ou pas? Regardez-moi ça.
Non, non, on est bon, on est bon. C'est juste que... C'est juste que on n'a jamais dessiné, en fait, ici. Par contre... moins 22... Mais je comprends pourquoi on n'a jamais dessiné. Donc maintenant on cherche la, le pont. Je crois que c'était là. Hein. Je crois que c'était en face. What? Il y a encore une corde. Donc on n'est pas... On n'a pas fait tout en, en tout droit? Oh là 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 là... Oh, on est au-dessus de la maison ou pas? Excusez-moi. On n'est jamais venu là. Oh là là. Ça y est, on a encore trouvé un autre endroit. Par contre, je voudrais bien un endroit pour s'abriter. Donc ouais, dites-moi si vous pensez la même chose par rapport à ça. Parce que c'est vrai que je sais pas vraiment trop si les gens pensent pareil par rapport au... Par rapport au mode histoire. Mais il y a tellement de temps en fait. J'arrive pas à voir si on est vraiment... Non oui normalement c'est là. Oui oui normalement c'est là. Si si parce qu'il y a la, la cabane de pêche et on est sur le bon côté. Donc en théorie on devrait trouver une corde pour descendre. Ou alors un rocher. C'est peut-être un peu plus loin. Je pense que c'est au niveau de la cabane, donc c'est plus de ce côté-là. Ouais, par contre, il va falloir se bouger un peu les fesses. Si on arrive à la maison, de toute façon, on est tranquille. Hein. C'est une maison complètement fermée. J'espère qu'on n'aura pas besoin de la corde. C'est un peu stressant parce qu'on a vu la corde. Donc je me dis peut-être que... Ah non, non, c'est bon, lié. Oh, la corde! Il faut la prendre, il faut la descendre avec nous. Eh oui, il faut la prendre et la descendre avec nous. On peut pas se réchauffer là maintenant. S'il fait combien là? 12 degrés. Je vais voir un peu. On n'a pas de bois, rien. Donc ouais, il faut prendre la corde et descendre avec. Comme ça, on pourra la, la placer sur... la placer sur le rocher. Vous vous rappelez, on avait vu que le rocher, il n'y avait pas de corde. Ça va, ils sont quand même sympas, Interland. À chaque fois, ils nous foutent une corde qui est pas loin, en fait, d'un endroit où il n'y a pas de corde. Donc, ça va. Par contre, je suis en train de sprinter à mort, enfin parce qu'il fait froid. C'est pas très très bon. C'est là le la photo. On va pas faire la photo. On va d'abord faire... la maison. Faut vraiment dessiner cet endroit parce qu'il y a plusieurs chemins en fait. Voilà, très bien. Nous on vient de là-bas, tout droit, on peut remonter. Après... Après il y a... là-bas à droite c'est le pont. Et après... ici c'est le... C'est les cordes. Donc il y a vraiment pas mal. Par contre on est méga lent. On est presque à 50% d'hypothermie.
suis en train de me demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on s'arrête pour se réchauffer ou alors on prend directement la corde et on descend? Par contre, il va falloir faire un tri dans l'équipement là parce qu'on est, on est lourd. On est à 44 kg et elle va commencer à baisser. Elle va commencer à avoir à baisser en poids maximum. Ah, c'est bien si on a trouvé le, ce chemin là. C'est bien. Ça nous fait une connexion en plus. Puis en plus on commence à être habitué à prendre les cordes. Bon ça va, c'est calmé le vent. On commence à être très habitué pour les cordes. Après quand on était en bas et quand on regardait donc vers la corde, vers le haut comme ça là, c'était très très plat en fait le long de la montagne. Donc je pense pas qu'on puisse descendre comme on fait d'habitude. Je crois qu'on est complètement obligé de prendre la corde. Bon, j'espère qu'on est au bon endroit, mais normalement on est au bon endroit. Normalement il y a la maison en bas. Normalement, maison. Surplomb du feu. Yes. Je devrais pas faire ça. Elle a l'air d'être complètement détruite en fait. Elle a 44 kilos. Je veux pas dire, mais elle a l'air d'être complètement détruite la maison. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Aïe 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 aïe. C'est vrai qu'on a beaucoup de ça, 1 kilo. Oh ! Ah oui, j'en ai balancé 136 par terre. Mon dieu. J'en ai balancé 136 par terre. On va s'amuser à les rattraper. Allez, à les ramasser, putain de merde. Ça va nous prendre 3 plombes. Ça va nous prendre 3 plombes pour tout ramasser. Ah, très bien. C'est pour ça que je voulais pas être genre à, 40 ou alors 39. Je voulais être encore en dessous parce que vous voyez qu'on est, on a commencé à passer en dessous. Bon, est-ce qu'on peut rentrer dans cette maison? On peut. Repos du pionnier. Ouh, on y est, on y est, on y est, on y est. Ça c'est bien ça. Bon au final on a fait un petit détour. On a fait un petit détour mais ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup. Ah, yes, deux allumettes. Bon alors, je vais voir, on va commencer du côté droit. Pull en laine épais, c'est ce qu'on a, non? Ouais, c'est ce qu'on a, donc ça. On va le garder, ça c'est bien. Ça c'est un pantalon de combat. Bon, attends, on va regarder d'abord ce coffre, on va tout mettre dans le coffre. Voilà, super. Rien du tout dedans. Très bien. Oh la blague. Il me faut une bière, moi.
Ça fait chier à trimballer des cordes pour rien, quoi. En plus, je suis sûr que c'est une corde qui est tout le temps là. C'est bien, on va le mettre aussi là. Avant qu'il dépérisse. Très bien, du bois, très bien. Ok. Oh. Not sure I can carry much more. Ouais, pas mal. Bon, on va pouvoir installer la corde. On va installer celle qu'on a et on va laisser celle qui est accrochée. Ça, on pose pour le moment. Oh putain, c'est tout à zéro. On peut mettre 30 kilos dedans. On a enfin trouvé des allumettes. C'est bien. On a enfin trouvé des allumettes. J'ai vu qu'il y avait un sac à côté de l'entrée. Ok, rien. Là, on peut... Oh, putain, tombe pas. Là, je crois qu'on peut directement descendre sans la corde. Donc, à la limite, c'est... Ah, bah, vous voyez ? Ah, j'avais dit, hein, le coup du... Du treuil là. Donc c'est bien parce que pour prendre, pour monter on prend la corde, mais après pour descendre on peut juste descendre normalement. C'est bien ça. Voilà, très bien. Voilà, parfait, parfait. Par contre, ils ont... Il y a... vous l'avez entendu, la musique qui a changé. Parce qu'on est tombé dans le... On est tombé dans le zéro. De 0 degré. Donc du coup, ils nous mettent cette musique à la place de l'autre. Il y a un moment, il y a une mise à jour qui a dû un peu merder les musiques. Et elle change super brusquement maintenant. Parce que je suis sûr qu'avant ça se faisait pas ça. On peut aller sur le toit? Non. Je suis sûr que ça le faisait pas ce truc là. Enfin bref. Alors il fait encore. Il est midi. Il est midi. Ah ouais, mais elle est fatiguée déjà, j'avais pas vu. Ok, c'est très bien. Alors, on va pouvoir dormir. On va prendre le livre, parce qu'on va sûrement lire. On va se mettre... c'est l'habitude de me mettre à croupi. Alors, on va peut-être un peu... On va manger, mais on va surtout... je pense... coudre. Coudre un peu. Comme ça. Parce qu'on a pas mal de nourriture, là. Donc, à la limite, ça va. Il y a juste l'eau... C'est vrai que l'eau, on en a pas beaucoup. On peut attendre jusqu'à demain, honnêtement. Je préfère d'abord coudre. Une heure et demie qui vient de passer. On va voir s'il fait soleil. S'il fait soleil, on fait du feu à l'extérieur. On pourrait descendre et aller pêcher. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Non, il fait pas assez soleil, là.
On pourrait ouais, directement descendre et aller pêcher. Donc, mais c'est pas mal en fait cet endroit. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. On va devoir remonter la corde. On va devoir remonter la corde. Enfin, attendez, laissez-moi regarder la carte. Parce que si on passe par derrière la cascade, vous vous rappelez, on va devoir prendre la... Pardon. On va devoir prendre la grotte. Et la grotte, il faut de la lumière. Et ça, c'est chiant. Ben, nous, on est là. Oui, il va falloir refaire ce par la cascade, là. Et après, c'est cette grotte-là. Puis après, on arrive là. Donc là, là c'est chiant. Quand, comme j'ai dit, il faut beaucoup, il faut de la lumière. Il faut au moins une torche entière. Je dirais. Et c'est loin. Donc c'est un peu embêtant. Après, on a ce chemin-là. Mais là aussi, il y a les cordes. C'est où les cordes? C'est plus loin, c'est là. On va rester là. Hein. On va rester là et on va reprendre la grande corde. Je sais que c'est relou parce que c'est une grande, grande corde, mais... Mais ouais, enfin c'est le mieux. Hein. C'est vraiment le mieux. C'est le plus rapide parce que sinon on va mettre 3 plombes en fait à revenir. On va vraiment mettre 3 plombes. Minutes. Une tempête. On va déposer les outils. Elle fait ça. Est-ce qu'elle a soif? Je crois. Ah, je crois qu'on a, on a toujours un ouvre-boîte, non, sur nous. Ah oui, ah, ça va alors. J'avais complètement oublié de jeter l'ouvre-boîte. J'avais complètement oublié. C'est cool. Oh, attendez, du coup, on peut les ouvrir. Ça utilise bien l'ouvre-boîte. À 77. Ça aussi, encore une fois, hein. Pas d'option pour simplement l'ouvrir. Ça aussi, c'est bête. C'est très très bête de ne pas avoir d'option pour simplement ouvrir la conserve. Après, pour les gens qui se disent, mais ça servira à quoi d'ouvrir seulement la conserve et après de ne pas manger le contenu? Bah alors déjà c'est l'option, c'est le fait de le pouvoir le faire, c'est déjà bien. Et de deux, c'est surtout pour genre ouvrir ce que je viens de faire et après déposer l'ouvre-boîte. Ne pas se le trimballer. C'est ça le truc. Je regarde si je vais pas louper autre chose. C'est ça, ça serait bien. Ça serait vraiment bien de pouvoir faire ça. Ça fait nuit. Très bien. Vous avez vu, c'est déjà 99%. Alors qu'on est à l'intérieur, hein, je veux pas dire. Mais on est à l'intérieur. Il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est réparer celui-là. On va voir si on le répare. Une heure. Oh la vache, une heure 12. Sérieux? Ah ouais, ouais, quand on n'a pas le kit de couture, c'est lourd. Hein. C'est très lourd. Je mange ça parce que ça donne un peu d'eau aussi.
pense que ça passe. J'avais dans l'espoir que ça passe à 100% en fait. J'avais vraiment dans l'espoir que ça passe à 100%. Comme ça, ça serait pas du gâchis. Vous voyez ce que je veux dire? Cela, on va juste couvrir genre moins de 20%. Non, mais après le reste, ça va. Ça peut, on peut laisser ça comme ça. Pouvoir dormir. Ah, parce que là on va pas pouvoir ah oui, faut laisser les ça. Très bien. On peut encore prendre des rideaux. J'ai l'impression par contre cet endroit est vachement bien, cette maison est vachement bien parce qu'on voit à l'extérieur pendant la nuit. Ok, là maintenant on voit plus là, mais c'est... Ouais non, ça va, c'est bien. Là c'est normal. Vous avez vu les autres bâtiments? Il fait directement noir, genre nuit noire. C'est l'absence de lumière complète quoi. Alors que là on a vu pendant un petit moment, donc ça c'est bien. C'est très bien. On va dormir. Très bien. Il faut récupérer le plus de vie possible. Voilà, très très bien. Voilà, maintenant on n'a plus du tout d'eau. Alors on va pouvoir dormir encore un peu. Voilà, on récupère le plus de vie possible. On aurait pu prendre un thé et tout ça, mais pas vraiment utile. Alors on peut lire ça, on va le garder sur nous. Juste pour passer le temps. Très bien. Est-ce qu'il y a encore du tissu? Ouais. J'espère qu'il fait beau. On va prendre la corde. On va aller prendre la corde. On va faire un petit tri de notre inventaire. Voir ce qu'on laisse, ce qu'on garde. Et on va prendre la grande corde. On va remonter. On va faire la photo. On va aller faire la photo. Le manuel des armes, j'ai vraiment envie de le prendre avec moi, mais est-ce que c'est vraiment très très utile? En théorie non, mais bon, j'ai vraiment bien envie de lire tous les livres et de monter au maximum tout, même si on n'a pas vraiment d'utilité. Hein. Mais ouais. Il fait un peu de vent là, j'ai l'impression. On va voir. En plus, on n'est pas lourd, on est à peine 33 kg, donc honnêtement, c'est parfait. Dites-moi qu'il fait pas très froid. Oh, il fait jour. 33 kg. Bon, on n'a rien d'autre à prendre, de toute façon. Let's go, on se casse. Let's go. Moins 14, ça va. Comment c'est grand. Comment c'est grand.
Très bien. Alors vite. Voilà. On subit plus 10 degrés, mais c'est moins 14, donc on a juste moins 4 degrés en une heure, ça va. Moins 4 degrés en une heure, c'est pas beaucoup. Et ça nous permet de nous reposer. Voilà, vous voyez, on est encore en chaud. On est encore en chaleur. On est encore en chaleur, on risque rien. Vous voyez? Hop. On peut même prendre ça. Hop là, on y va. C'est pour ça que c'est bien, hein, le sac de couchage. Vous faites une heure. Même s'il fait froid, faut compter du fait que vous pouvez quand même... Enfin, c'est pas grave, en fait, d'être dans le froid. Vous pouvez toujours survivre, en fait. Alors, hop, hop. On prend tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les baies, là? Non, mon dieu, je vais devoir appuyer. Quelle idée à la con! Vous voyez pourquoi il faut une option pour pouvoir ramasser plusieurs objets qui sont par terre? Genre avoir une zone d'action. Putain, ça me fait mal au doigt. Ça m'abîme la souris surtout. Vous voyez que ça manque. C'est quand il y a plusieurs petits objets comme ça, c'est la merde. Donc il faut un mode. On n'est même pas à 40, on est à 39,99, très bien. Du coup on va un peu sprinter. On va se mettre là. Peut-être se protéger un peu du vent. Hein. Bien. Mais oui, je sais. Très bien. Maintenant, direction... Oui, on va arrêter de dessiner. En fait, ce que j'ai dessiné, c'est bête. C'est peut-être même pas utile parce que peut-être que la zone d'action de la photo, ça va être suffisant. Oh non, me dis pas que c'est... Non, me dis pas qu'il y a un brouillard et ça va pas marcher. Oh non... Je sais pas si ça marche ou pas, s'il y a un brouillard. Tiens, ça c'est une bonne question. Ah, il y a des lapins. Je sais même pas qu'il y a des lapins. C'est là. Allez, ne pas tomber. Pas vraiment besoin de s'arrêter, mais il faut juste diriger un peu à droite, un peu à gauche pour éviter qu'on s'accroche. Ok, très bien, très bien. Très bien. Alors normalement c'est vraiment tout droit quoi. Alors haute prairie. Haute prairie. Ouais, enfin ça montre tout droit mais... Sûrement sur un rebord. Genre il faudrait lire peut-être la description de la photo. Ou alors ça s'affiche pas parce qu'il y a du brouillard. Aïe 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 aïe. Photo instantanée.
Great Bear Island, Viège Montagneux, Lake Mister, Chantumeur, America, Muscle Mort, Timber Wolf. C'est ça? Non, c'est pas ça. Une demi-douzaine d'autres formations d'escalade, si c'est ça. Great Bear Creek. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? J'en sais strictement rien, honnêtement. C'est joli ça comme ça. Là peut-être. Je suis en train de me demander, est-ce que peut-être ça s'affiche pas vraiment à cause du brouillard hein. Pas vraiment sûr en fait. Genre, il fait brouillard ou pas pour le jeu? Non. Parce que sinon ça nous dirait... ne va pas s'afficher sur la map. Donc ça va, c'est pas en état de brouillard. Peut-être là. Ok, c'est là, point de vue, explorer les environs. Let's go! Voilà, très bien. Faut que je le dise, ça nous sert à strictement à rien, c'est cool. Faut que je le dise, hein, parce que bon, on a déjà tout vu. On a déjà tout vu ici, donc ça ne sert strictement à rien. Mais bon, au moins c'est fait. Allez, on rentre au mineur. Putain de merde. On rentre au village de mineur. Dieu, j'aime pas les à-coups comme ça. C'est bon. J'ai envie de faire un feu pour me réchauffer, mais bon. J'ai vraiment envie de faire un feu pour me réchauffer. Comme qu'on puisse un peu dessiner. Moins 5 degrés. Ah, attends, on peut faire ça, la lutte. C'est pas le meilleur, la meilleure des choses, mais ça nous évite d'utiliser des allumettes. Voilà, très bien. D'accord. Du coup, on va un peu en profiter. Jesus, it's cold. Ah oui, du coup on en profite. Il fait pas très froid, mais on n'a pas vraiment de moyen de se réchauffer, à part faire du feu et boire une tisane. Mais du coup on pourrait aussi tout simplement dormir dans notre sac de couchage. Ça marche aussi très bien. C'est un peu bizarre comme système, hein, mais c'est logique, quoi.
Mais un truc qu'il pourrait faire, c'est de pouvoir mettre le sac de couchage genre par terre. Il fait de plus en plus chaud en plus. Par terre et de se mettre dedans. Genre comme un... Parce qu'en plus, il y a déjà cette mécanique qui existe. Hein. Mais c'est avec les igloos. Avec les igloos, ça existe. On peut se mettre dans l'igloo et on peut même avoir accès à un feu. Si on fait un feu devant l'igloo, on peut avoir accès à un établi. Enfin, s'il y a un truc devant, on peut se mettre dans l'igloo et avoir accès. Donc, ça, donc la mécanique existe déjà. Donc faudrait vraiment qu'il fasse pareil avec le sac de couchage. Vous voyez, ça c'est des petites choses qui pourraient... qui est pas OP dans le sens où c'est que ça va complètement détruire la balance du jeu ou quoi que ce soit. Mais c'est des choses qui sont déjà disponibles et qui devraient être ajoutées en fait au jeu. Alors là c'est où c'est qu'on avait fait la croix. On va se mettre là. Ah, très bien. On peut faire du feu. Ah, très bien. Donc, honnêtement, mission accomplie. J'ai envie de dire, mission très bien accomplie. Ça te dessine un peu là. C'est quoi ça devant? C'est un ours qui dort? Ou c'est un rocher? C'est un rocher ça? Oui, c'est un rocher. Ça, j'ai cru que c'était un ours. Voilà, très très bien. Donc ouais, mission complètement accomplie. On a fait la corde là. On a fait la cabane avec la corde en plus et tout ça, c'est très bien passé. On a des cordes un peu partout maintenant dans la map, sur dans la région. On a récupéré des allumettes, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la photo. Donc c'était la photo qu'on devait faire surtout. Donc honnêtement, ouais, ça c'est une bonne excursion. Très très bonne excursion, c'est très bien passé. Donc maintenant on revient à notre camp pour le moment. On va devoir décider où on va la prochaine fois. Cette partie là qui est un peu relou à faire. Faudrait revenir en arrière en fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'aime pas ces ponts. Ah oui, en parlant de ça, j'ai vu sur les forums de Steam, je suis allé encore. Il y a des gens qui... J'arrive pas à avancer. Il y a des gens qui se plaignent un peu. Des bugs et tout ça. Et j'ai vu une personne qui a... qui joue en intrus. Interloper. Interloper en anglais. Donc il joue en intrus. 400 et quelques jours. Hein. 400 et quelques jours. 400 jours, c'est le double de nous. Hein. C'est le double de nous. Hein. Nous, on est au jour... jour 250 à peu près. Lui, il était 420, un truc comme ça. C'est quasiment le double. Le mec est mort. Le mec est mort dans cette région, dans le canyon des cendres. Parce que, apparemment, il était mouillé. Je sais pas trop comment il s'est mouillé. Peut-être dans la grotte, là, quand on était passé. Vous savez, il fallait passer sous une cascade. Il était mouillé.
Il est allé dans une des grottes, là. Genre... genre les grottes comme ça, là. Et apparemment, il a pas remarqué qu'elle qu'elle tenait pas chaud. Moi, c'est la première chose que j'ai vue, hein, quand même. Donc, il a perdu beaucoup de vie. Et après... Enfin, non. Avant ça, il a dit qu'il s'était fait attaquer par deux loups. Et il s'est fait, bah, il s'est fait bouffer les miches, en fait, par deux loups. Et après, donc, il a fait ça dans la grotte et il est mort de froid. Il est mort dans son sommeil. Alors, moi, j'ai envie de dire, d'accord, bon, la zone, elle est quand même fin de jeu et tout ça. Parce que, comme j'ai dit, c'est une zone qui est après le mont Timberwolf. Mais comment tu peux survivre 420 jours en intrus et mourir aussi bêtement? Hein? Je veux pas être méchant, mais... comment... Non? Non? Je sais pas où les mettre, il y en a tellement. Moi je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. À la limite, j'ai envie de dire que peut-être ça représente en fait la différence entre les gens. Par exemple, cette personne, elle est peut-être bon dans le jeu. Parce que bon, ça fait 400 jours et tout ça, mais peut-être qu'elle fait pas trop d'exploration, genre elle sait pas se préparer peut-être, vous voyez, alors que moi à chaque fois, la plupart du temps, c'est l'inverse, genre je suis trop préparé. Vous avez vu qu'on était allé au mont Timberwolf, on avait quoi, 2 scies avec 10 morceaux de métal, avec une caisse rouge pour réparer les scies si jamais elle cassait, quoi. Donc là, on peut dire que c'était un peu trop préparé, parce qu'au final, on n'a même pas eu besoin de deux scies. On a une seule, ça suffisait largement, et on n'a même pas eu besoin de la réparer. Donc, voilà. Mais ça, je pense que c'est un exemple de... On va prendre le livre de la couture, par contre, parce que le livre de la couture, c'est plus important que le revolver. Mais je pense que ça montre la différence entre... Il y a des gens qui peuvent survivre extrêmement longtemps, mais en faisant tout le temps genre la même chose, et en restant peut-être tout le temps à la même zone et tout. Mais après, il y a des gens qui peuvent survivre, mais en faisant des aventures et en poussant toujours plus loin la survie. Donc je pense que ouais, c'est pas mal aussi d'avoir des nouvelles maps, parce que ça permet de montrer, en fait, de voir un peu la différence avec comment les gens survivent. Je pense. Donc c'est intéressant. C'est assez intéressant de voir ça. Mais honnêtement, ouais, sur le coup, c'est con pour lui. Hein. Parce qu'il a quand même perdu une survie de 420 jours, quoi. Mais j'ai envie de dire... comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? On a jamais failli mourir, en fait. Nous. On a le meilleur équipement. Lui, en 420 jours, je suis sûr qu'il avait exactement le même équipement que nous. Hein, donc le meilleur possible. Il avait sûrement arc et tout ça. Comment il a pu tomber nez à nez avec des loups et se faire bouffer les miches? Nous, on est tombé nez à nez aussi, mais on s'est jamais fait attraper, quoi. On a fait attention et tout ça. Peut-être les réflexes aussi. Genre, c'est vrai que... Un truc, je le répéterai tout le temps, et pourtant, c'est pas du tout les mêmes jeux. C'est vraiment pas du tout les mêmes jeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, on va se mettre là, pendant que je parle. Parce que c'est pas encore la nuit, je voudrais dormir la nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait voir là, dessiner là. Donc c'est, si on regarde droit devant, c'est en arrière à gauche. Je repars là. À la limite aussi, il y a... Je l'ai toujours dit, mais Escape from Tarkov m'a complètement changé pour tout ce qui est jeu FPS de tir ou de survie, en fait. Ça m'a complètement changé ma façon de jouer, de voir les choses. Genre se repérer au son et tout ça. Combien de fois je m'arrête genre en plein blizzard et je dis attendez, j'ai entendu un truc. Et après au final on voit qu'il y avait genre deux ou trois loups ou des trucs comme ça. Combien de fois je l'ai fait ça? Bah c'est l'habitude en fait avec Escape from Tarkov. Genre d'écouter le moindre bruit s'il y a quelqu'un qui est derrière un mur et tout. Genre qui attend en embuscade ou quelque chose comme ça. Bah c'est ça, c'est... C'est ces réflexes-là, en fait, qui sont... qui se reflètent, en fait, sur plein d'autres jeux FPS. Ah, ici, on a un truc, là.
non, on peut pas y aller. Vous croyez qu'on peut aller là-bas? Non. Non, je pense pas. Mais vous voyez le fait de... C'est vrai que ça m'a beaucoup changé, en fait, par rapport à ça. Avec Escape from Tarkov. Alors peut-être que le mec il sprintait partout, peut-être que voilà, il a trop sprinté, il est tombé nez à nez avec les loups. Nous on est tombé nez à nez, enfin c'est pas vraiment nez à nez, on est tombé sur des loups, mais on avait le temps de dégainer, enfin on avait déjà l'arc dégainé de toute façon, parce qu'on est toujours prêt, mais on avait le temps de réagir et tout ça quoi. Même l'ours, vous vous rappelez l'ours? Quand on était en descente là, si j'étais en train de sprinter comme un demeuré, mais l'ours il nous bouffait quoi. Il nous bouffait complètement. C'était sûr et certain. Alors que je l'ai entendu avant et puis. Puis on a attendu quoi le bon moment. En plus on avait froid, mais on a attendu le bon moment. Et puis on lui a décoché des flèches pendant qu'il dormait en plus. En plus il. On a attendu qu'il s'endorme au final, c'est marrant. Donc ouais, faut le prendre tranquille le jeu, faut le prendre... Faut trouver le temps et comprendre les moments aussi où on peut, genre, s'arrêter et essayer Arrête de parler, je suis en train de parler. Genre, on peut assimiler ce qui se passe autour de nous, c'est ça qui est important, je pense, dans des jeux de survie comme ça. Et ouais, Tarkov m'a aidé pour ça. Merci Nikita. Nikita, c'est le directeur en chef de développeur de Escape from Tarkov. Quoi là? Non. Il y a rien. Donc ouais. Donc ouais. Bon bah on va s'arrêter là. Hein. Vous voyez que maintenant on est un peu moins froid hein, quand même. Vu qu'on a tout recousu, quasiment tout. Donc ça c'est bien. Il nous faudrait des cerfs. C'est vrai qu'on n'a pas tué de cerfs. Peut-être un seul au début. Mais il nous faudrait des pots de cerfs. Ça c'est... Ouais. Parce qu'on n'a pas de... J'étais en train de penser à la couture, en fait. Et on n'a rien pour rafistoler... excusez-moi. Nos pantalons et tout ça. Donc, il faudrait faire ça. On a le... Le plus important, c'est la fourrure d'ours, parce que c'est genre 10 jours ou 20 jours pour que ça sèche. Mais c'est vrai que les cerfs, on n'en a pas. La prochaine fois, on essaiera de chasser des cerfs, peut-être s'il y en a près du village. On verra ça. Je sais pas si on aura le temps de lire. Yes, ça passe. Très bien. Encore une heure et on pourra monter... Enfin, prendre de l'expérience et peut-être monter de niveau. Ce qu'on va faire aussi, c'est faire un peu de ça, avant que j'oublie. Très bien. On va encore en faire 4, on va encore passer une heure. Alors la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, on en a... Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, il en faut plein des baies. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas trop. Je commence à... tourner en rond. J'ai vraiment pas envie de me spoiler rien du tout, honnêtement. Parce qu'on pourrait... Maintenant, il y a des cartes et tout disponibles, sûrement, et les gens ont dû dire où elle est la mine. J'ai pas vraiment envie de me spoiler, parce que honnêtement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Mais bon, un jour, il faudra quand même la trouver, parce que ça devient un peu absurde. Ça devient un peu absurde. Donc, on a un endroit ici qui a pas été trop illuminé, mais je pense pas qu'on puisse aller là.
Là, c'est la descente avec la carcasse de l'ours. On est allé là. Là, c'est les cordes. Là, c'est une grotte. Après, on était tout descendu en bas. Donc là, maintenant, on peut accéder à la cabane par en haut et par en bas. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour partir. Je crois que c'était là où on a découvert les écrits aussi, les notes. Oups. La page arrachée du carnet d'un grimpeur. Servir de guide touristique après les hautes prairies, je vais m'éclipser. Après la haute prairie, je vais m'éclipser, pardon, et aller à cette mine d'or que mon père m'avait montré. Après la haute prairie, je vais m'éclipser. Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Est-ce qu'il veut dire genre après la haute prairie, il y a la mine, ou alors il veut dire genre dans le temps. Ça n'a pas vraiment de sens en fait, ce début de phrase. C'est pour ça que ça me semble bizarre. Genre peut-être après avoir passé la haute prairie, il va s'éclipser vers la mine. La haute prairie. Nous on l'avait découvert là. Appui du pilier. Non, grotte du grimpeur, c'est là qu'on l'avait trouvé. Après la haute prairie. Ah. C'est les mots-clés qu'il faut comprendre. Après la haute prairie. Ok. Voilà, et on verra ça. Ouais, on verra si on trouve la mine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez un très très bon week-end, très bonne semaine. Merci beaucoup de suivre encore cette série, on est presque à 100 épisodes, donc c'est cool. À la prochaine, ciao ciao.